Salut Dofus, c'est Comissaire, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pas sur Dofus mais c'est pour un mini-jeu organisé par Ankama qui s'appelle le Tricoton. Alors vous pouvez y accéder directement sur le site, vous cliquez ici sur un cadeau par jour sur Tricoton et vous avez une page qui s'ouvre. Là vous avez quelques consignes et les cadeaux que vous pouvez gagner par la suite à ce jeu. Alors pour y accéder, vous cliquez ici sur Tricoton, voilà, et voilà, vous avez ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur jeu? Alors déjà, il faut être connecté, bien sûr, et il faut être abonné à Dofus. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne pourrez tout simplement pas jouer à ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu? En gros, il va falloir trouver une recette avec ces ingrédients-là. Donc voilà. Et vous avez 1, 2, 3, 4 essais pour essayer de trouver la bonne recette. Alors, si je peux vous donner des conseils, la méthode que j'utilise, moi, c'est comme quasiment la plupart des personnes, mais que la plupart des personnes utilisent cette méthode, je pense, c'est tout simplement, vous mettez déjà les 3 ici. Vous voyez que là, c'est des cases blanches, donc je peux mettre dans cette partie-là, en haut, je peux mettre ici. Et là, vous voyez des cases un peu bleutées. Et tout simplement, la partie du bas, je peux la mettre ici. En gros, je peux mettre un des trois que ici. Je peux pas le mettre ici ou ici. Alors, on va tout de suite l'essayer. Alors, on va en mettre, voilà, les trois premiers. Je vous les conseille de les mettre au hasard. Ensuite, vous faites valider. Et là, voilà. Là, vous avez directement la première ligne qui s'est remplie. Alors, le vert veut dire que c'est bien placé au bon endroit. Voilà. Le jaune veut dire que c'est mal placé au bon endroit, mais que quelque part d'autre, cet ingrédient va dans une autre case, tout simplement. Et le rouge veut dire tout simplement, cet ingrédient n'est pas dans la recette. Alors, la recette est un peu aléatoire, hein, mais voilà. Alors, pour ça, on peut, enfin, pour le dernier, on peut le mettre parce qu'on est sûr que c'est celui-là. Et pour les autres, pour celui-là qu'on est sûr de bien avoir mis, je vous conseille pas de le remettre et tout simplement d'essayer d'autres. Alors, on va essayer 3, voilà. Voilà, pour voir tout simplement si, un des 3 rentre dans la recette. S'il est vert, c'est bien. Si un des 3 est vert, c'est bien. S'il est jaune, c'est aussi bien. Du coup, on pourra savoir, bah, on va lancer, voilà. Et là, on est sûr que ces 3-là ne sont pas dans la recette. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est que ces 3-là ne sont pas dans la recette. Du coup, ici, ce qu'on peut faire, c'est tester tout simplement les 2-là, s'ils sont dans la recette ou pas. Et de faire... voilà, on remet ceci. Voilà, et là on va bien voir si c'est lequel des 2 est dans la recette. On valide, et voilà. Et celui-là qui était dans la recette, c'était tout simplement celui-là. Et là, grâce à toutes ces informations, on peut tout simplement reconstituer alors ceci. Alors, on va commencer par la fin, c'est un peu plus simple. Ensuite, celui-là, il est là. Voilà, on peut remettre tout simplement les jaunes et les verts. Ensuite, celui-là, il est là. Et le dernier, c'est celui-là, vous voyez, là. Et voilà. Et normalement, si on clique, c'est validé. Voilà. Hein. Je sais pas trop si vous m'avez compris, mais bon, j'essaie de vous expliquer au mieux que je pouvais. En gros, je fais un petit résumé. Dans les 2 premières lignes, on teste 3 trucs différents. 3 trucs différents plus 1 différent. Alors là, j'ai eu directement le bon truc. Mais si ce serait pas, par exemple, si j'aurais mis ça, après j'aurais essayé ça ici. Et les deux, ils me diront que c'est pas les bons. Donc j'étais sûr que ce sera le troisième puisque c'est le seul qui reste. Voilà. Du coup, si je valide, voilà, j'ai gagné. Bravo, vous n'avez pas perdu le fil. Et on a gagné un Shangri-Cas chocolat.
Voilà, bon, je sais pas trop à quoi il sert. J'espère qu'il donne au moins de la Sasa ou de la PP ou un bon truc, quoi. Pas 32 Vita. Hein. Et voilà. Et vous pouvez le faire. Le faire tout simplement qu'une seule fois une seule fois par jour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'espère que j'ai été clair dans mes informations. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Do it for the love, for the love. Yes, I do. So you don't care about the money? Well, yes, it's true. And I'm so blessed to be fulfilling my destiny. All material things could mean less to me. Only thing I ever could need is a Sarah B sample with a dope ass beat. And get the mic checked, all the levels right. And if it's good, then I'll be here for several nights. Cause the only thing I need is a strong supporting team. The most important thing that helps supporting my dream. And I can't forget my family, helping keep my sanity. No matter what I do, I know they'll always stand for me. No matter what I do, I know they'll always stand for me. I can only do me, that's all I know. Dodge the difficulties and take life slow. And if I ever slow up, you know I always show up. It's still the same on me, even if I blow up. Love is what I do it for, love is what I...